On va parler de l'affaire Benzema, Didier Deschamps. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'affaire Benzema vs Deschamps. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fort, on est parti. Alors, la polémique Benzema-Deschamps, je pense que ça ne va jamais finir jusqu'au jour où Deschamps va quitter l'équipe de France. Parce que, franchement, on peut se poser la question. Est-ce que si Benzema avait été là en finale, est-ce que l'équipe de France n'aurait pas remporté la Coupe du Monde? On se pose la question. En même temps, on se pose également la question. Si Benzema était là, est-ce que l'équipe de France devait arriver en finale? Donc, on ne le saura jamais. Moi, je pense que Deschamps a écarté Benzema. C'est une question d'ego. Pour moi, c'est une question d'ego. Hein, parce que, si l'un d'eux avait mis son ego de côté, je pense que Benzema devait revenir en équipe de France. Deschamps, comme l'a dit Samir Nasri, est rancunier. Benzema, comme l'a dit Samir Nasri, est rancunier. Du coup, donc, personne ne voulait mettre sa rancune de côté. Personne ne voulait mettre sa rancune de côté. C'est ça qui a plombé la relation entre les deux hommes. Personne n'a voulu mettre sa rancune de côté. Personne n'a voulu mettre son ego de côté. Je pense que si l'un d'eux avait mis un peu son ego, les choses devaient aller très bien. Donc, pour moi, c'est une question d'ego. Pour moi, c'est une question d'ego. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'hésite pas à me donner ton ressenti en commentaire. Sinon, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.